Donc, présentation d'aujourd'hui, Drupal Guédon. Juste avant de commencer, je voudrais juste connaître vos niveaux. Alain, je l'ai vu ton niveau. Donc, tu es un bidouilleur de Drupal avancé. Alexandre? Programmeur. Moi, je dirais plus bidouilleuse également, pas spécialement. OK. C'est Maxime, je suis développeur de page chez Software News. OK, parfait. Quel est votre niveau de connaissance de Drupal Guédon? Moyen, petit, pas du tout? Moyen. Appliquer la page. Ouais. OK. Assez élevé, j'ai donné une conférence en toi là-dessus. Donc, je vais juste commencer par présenter Keywad. On fait du Drupal exclusivement. On a un site WordPress. Fait qu'on fait ça depuis 10 ans. Surtout dans les domaines de la science, recherche, des centres de recherche, des trucs liés à la science, du collégial beaucoup aussi. Puis de l'organisation d'événements aussi, beaucoup des congrès, des colloques. Toujours des solutions sur mesure, donc on bâtit tout de zéro les solutions pour nos clients. Vous êtes à Montréal? Montréal et Québec. La petite histoire de Drupal Guédon, il y en a eu trois Drupal Guédon. Le premier, le 15 octobre 2014. Je regarde, mais je me souviens de la date, c'est le jour où ma fille est née. Fait que j'étais à l'hôpital avec ma fille dans les bras, puis mon cellulaire dans l'autre, puis je patchais des sites. Ce premier Drupal Guédon-là était un mauvais souvenir, parce qu'il mettait une faille de sécurité dans Drupal 7 que n'importe qui pouvait hacker votre site. Le mettre down, l'utiliser à d'autres fins, etc. Le deuxième Drupal Guédon est arrivé en mars dernier, le 28 mars, ils ont trouvé que finalement, il manquait une sécurité au niveau des comment ils escapaient, je ne sais pas comment dire, mais certains caractères. Fait qu'ils ont rajouté un truc de sécurité au niveau de ça. Puis quand ils l'ont fait, mais là, ils sont aperçus un mois après qu'il manquait quelque chose, que le dièse n'était pas inclus. Fait que le dièse permettait dans des formulaires, un mois plus tard, de faire de l'injection SQL, puis d'amener tout finalement le code que tu voulais, prendre le contrôle du site. Est-ce que vous gérez des sites Drupal 7, Drupal 8? Est-ce que vous en avez actifs? Est-ce que vous avez fait les mises à jour? Est-ce que vous les avez faites dans un délai de 24 heures? Oui. Je vous dirais probablement que vous n'êtes pas infecté si vous l'avez fait dans un délai de 24 heures. J'ai vu des infections après 12 à 18 heures. Pour vous dire, si ça vous avait pris plus que ça, juste ici, délai de 24 heures peut-être pas, plus que ça quelques jours, fort probablement. Puis, si vous ne l'aviez pas fait, je vous dirais si c'est sûr que vous êtes infecté. Là, j'ai du monde qui m'appelle de ce temps-ci. J'en ai fait un mercredi. Je suis tombé sur leur site. Ils m'ont dit on n'a pas fait la mise à jour. La première chose que j'ai faite, c'est aller voir. Puis il y avait une centaine de malware d'installer sur le serveur. Puis j'ai même pas le temps de regarder encore la base de données, à quel point elle a pu être infectée. Les motivations derrière ça, on a plusieurs motivations qui viennent pour installer des malwares. Les zombies DDoS, qui est un classique, c'est-à-dire qu'ils vont installer un code dans votre ordinateur, puis peut-être 6 mois, 1 an plus tard, ben, ils vont dire ben, « OK, on les déclenche tout, on fait une attaque de DDoS. En octobre 2016, je vais me lever, ça va être facile de voir le... En octobre 2016, il y a eu une attaque sur Dyn DNS qui gère Twitter, tout le relais pour Twitter, pour Amazon, Facebook, GitHub, Netflix, name it. 12 heures dans tous ces sites-là, après cette attaque-là. Ils se sont servis des caméras de sécurité. Ils ont hacké une série de caméras de sécurité. Puis, ils ont mis des zombies dedans. Puis là, ils ont pesé sur le gros bouton rouge, puis ils ont tout fait tomber, ils ont envoyé un terrain. Non, ils ont fait tomber dans Twitter, PayPal.
Les caméras probablement aussi, parce que là, les caméras... Qu'est-ce que les caméras qui envoyaient? Ils envoyaient de l'information. C'est que les servaient de toutes ces adresses IP-là, finalement. Okay. Parce que moi, quand je veux me protéger, je fais comme, ah, ben, je reçois des requêtes de l'adresse IP X. Mais là, je reçois des requêtes de 150 000, 200 000 adresses IP différentes. OK. Mais les caméras, c'est juste un ordre. C'est juste comme un ordinateur, finalement. La caméra en tant que telle? Oui, c'est des appareils connectés. Oui, des nouveaux appareils connectés, okay. Là, les cafetières connectées. Les... OK. Okay. Donc, ils vont se servir de ça éventuellement, ta cafetière. C'est ça. Tu as des petits ordinateurs sur le bureau, c'est pas dans ton frigidaire. Puis, tu peux te servir de ça pour être en remote puis faire le tu peux te servir de ça pour bien des choses. OK. C'est bien fun. Le plaisir des filles, un autre trip de hacker, finalement. Ce qu'on voit là, c'est un site Zone H. C'est un tableau de chasse. Les hackers viennent dire « Ah, moi j'ai piraté celui-là, j'ai mis mon nom en tag dans le bas. » Ah oui. Un peu comme les taggers qui vont mettre des graffitis. Puis là, ben, ils vont le marquer. Puis si vous voyez ici les dates, c'est les dates de Balguédon. Il y a à peu près 25 pages de tags marqués. Données personnelles. Donc, je mets trois petits exemples ici, assez récents, mai 2018. 90 000 clients volés chez BMO. Donc, les gens demandent une rançon. La ville d'Atlanta, ils sont rendus, je pense, à 10 millions de dollars d'investis pour sauver leurs données parce qu'ils se sont fait pirater tout récemment, en mars. Juillet 2017, HBO s'était fait voler les scripts de Games of Thrones. Fait que là, les pirates demandaient une rançon pour ne pas diffuser les scripts au public. Fait que ça peut être des raisons de pirater un système. Marqué militaire, j'ai mis une petite lecture ici, si vous voulez être un petit peu paranoïaque. C'est super bon, c'est un gars de Montréal, mais qui a étudié au MIT, qui a une perception de dire, ah, les militaires russes, chinois, etc., pour attaquer l'Amérique, puis mettre dans les centrales nucléaires, mettre dans le système électrique, etc. Etc. Ouais. Puis ça donnerait pendant une tempête de neige, dans son scénario. Ah oui. Le dernier point, j'ai manqué un titre, c'est l'énergie. Puis ça, c'est ce qu'on a vu cette fois-ci au niveau de l'attaque massive qu'il vient d'avoir. C'est pour les bitcoins. Vous avez entendu parler des bitcoins. Ça monte. Mais les gens qui font du crypto-mining, les bitcoins, c'est un peu comme des courtiers. Ils reçoivent une petite commission en échange de valider la chaîne du bitcoin. Mais ça, plus ça va, plus ça prend d'énergie. Les données de la semaine passée, pour vous donner un exemple, je suis venu ici en voiture électrique de Québec. J'ai fait le parcours, ça va me prendre aller-retour 100 kWh. Pour une transaction de bitcoin, on parle de 1000 kWh. Une transaction. Pour l'ensemble du Bitcoin, on parle d'à peu près l'équivalent du Chili en ce moment, en termes d'énergie, pour le réseau des Bitcoins. Fait que ça donne des chiffres un peu étourdissants. Je suis allé l'autre fois sur les pétitions du gouvernement du Québec. Je ne comprenais pas trop. C'était le Québec solidaire qui voulait faire une pétition pour empêcher la venue des centres de Bitcoin au Québec. Je ne comprenais pas pourquoi. J'ai vu ça. Ça m'a un peu réveillé sur ce dire. 1000 kWh pour une transaction. Pour une transaction. Puis ça va continuer à monter. Est-ce parce que. Élaborer? En fait, c'est que quand tu as un bitcoin, tu as une transaction de bitcoin, tu as ce que tu appelles le blockchain. Puis il faut que tu valides en fait des hashes. Je ne sais pas comment dire autrement, là, un code. Une clé, disons, il faut que tu la valides à plusieurs niveaux. Fait que là, H-A-S-H. Ouais, okay. Donc, il faut que tu es valide. Fait que là, les gens, ils deviennent un peu des agents intermédiaires. Finalement, tu dis, OK, je fais une transaction. Fait que là, il y a des ordinateurs qui vont dire, okay. Je suis capable de valider la chaîne. Mais là, ils sont rendus à 5 millions de bitcoins en circulation. Fait que plus tu as de bitcoins en circulation, plus ta chaîne devient difficile à valider.
Fait que là, ça prend plus en plus de ressources pour aller trouver les bons éléments de la chaîne. Okay. D'où les gens faisaient de l'argent avec ça. Et que là, ils se sont dit, ben, je suis pour continuer. J'ai pas assez de ressources sur mon ordinateur pour le faire. Ils brûlaient des cartes mères, etc., etc. Okay. Fait que là, ils se sont achetés des cartes mères spécialisées pour faire ça. C'est plus assez. Fait que là, ils s'en vont voler finalement la ressource vos serveurs. Ça, j'en ai vu énormément. C'est ça, Gros enjeu. Oui, là, en ce moment, là, c'est le gros enjeu. Des crypto-miners, ils en avaient des tonnes. Juste pour vous rassurer, tu statistiques, Drupal, au niveau de la sécurité, demeure quand même bon. Là, vous allez me dire, ouais, mais WordPress, il y a beaucoup plus de sites. Ça vient de 37 000 sites analysés par Sucuri, une firme de sécurité. Sauf que WordPress est peut-être à 70 % d'utilisation, Drupal à 10. Ouais. Si on regarde, Drupal est à 1,6 au niveau d'infection, puis WordPress est à 83. Fait, grosso modo, on peut quand même se réjouir de ça. Puis Joomla, j'en parle pas, c'est le premier site que je me suis piraté il y a 15 ans, puis j'ai pas aimé ça après ça. Puis j'aime pas sa structure. Fait que. Moi, j'ai un job failli en fait, en pas mal. Ah, j'aime pas ça. Investiguer une contamination ou vous aider à vous protéger. Je vous mets quelques petits trucs. Testez avec Sucuri. Ils ont un scan sur le web, juste pour mettre votre adresse, est-ce que je suis hacké ou pas. Puis ils vous donnent des conseils aussi, ils vous donnent un certain niveau. Si vous n'êtes pas certain, PSAUX sur votre serveur, je vais pouvoir les distribuer les slides. PSAUX sur votre serveur, ça va vous permettre de voir un peu les processus qui ont lieu. Un des serveurs que j'ai analysé l'autre fois, il y avait un FTP qui était actif. En faisant PSAUX, j'ai vu un FTP en Pologne qui se servait du site pour aller hacker d'autres sites, ramener les données sur ce serveur-là, les envoyer par FTP en Pologne. Ça peut donner un bon indicateur. Regardez les fichiers suspects. Vous arrivez à la racine de votre Drupal, il peut y avoir des fichiers avec AES78.php, c'est suspect. Ça, c'est comme tout le côté évident. Oui. C'est tellement évident. Git status, si vous utilisez Git pour développer, très bon outil. C'est limité parce que votre file ne sera pas gitté nécessairement, puis il peut y avoir beaucoup de virus dans votre file, mais faites juste un git status. Ah, est-ce qu'il y a des fichiers qui sortent qui n'ont pas été gittés? C'est un bon outil. Vérifie dans Temp. Bonjour. On vérifie dans Temp. Un autre cas que j'ai vu justement avec le serveur qui avait le FTP dessus, il y a une augmentation des droits qui peut se faire sur le serveur. Fait, ils ont hacké le Drupal. Ils ont continué à monter en serveur, puis ils sont allés jusqu'à la racine du serveur, donc ils ont infecté tout le serveur. Ouais. Ça arrive là, puis là ils vont mettre leur propre processus sur le serveur. Mega User Drupal Dev, j'y ai vu une fois. Il crée un compte Mega User sur le site. Un compte Drupal Dev, puis un rôle Mega User. Qui a tous les droits. Qui admin, ben, qui est comme un super admin. C'est l'équivalent du admin 1, okay. Finalement. Puis là, il y a tous les accès sur le site, puis évidemment, il peut faire ce qu'il veut. Ce que j'ai vu aussi, là, si vous inspectez ce genre de choses-là, des fois, il peut y avoir des comptes pas d'email. Ça fait suspect parce que c'est obligatoire d'avoir un email. Fait que ça peut être une bonne façon de voir que ce compte-là a été créé par un script et non pas par Drupal. Ouais. On parle de menu router à checker. Il peut y avoir de l'injection de SQL dans menu router pour utiliser des fonctions eval, des fonctions PHP. Donc, ils viennent mettre ce qu'on appelle une backdoor sur le site. Puis ils disent, ben hop, je m'en vais cliquer sur cet élément de menu-là, puis je run du PHP avec ça.
jQuery Once, on va le revoir un petit peu plus tard, je vous reviens avec ça. Des fichiers ICO, étonnamment, des fichiers ICO, JPEG, etc. Pas juste du PHP dans lequel il y a du code. Beaucoup de fichiers, des fausses images installées sur votre site doivent être là. Puis, c'est plus difficile à détecter si c'est une image. Oui, je vais y revenir sur. Puis, var log hot, vérifier si sur votre serveur, ben, il n'y a pas des connexions SSH qui viennent de Chine. Des fois, c'est un indicateur. Un petit exemple de Sucuri, là, j'ai caché le site. C'est un vrai site qui a été infecté par le miner. Ce que ce miner-là il fait, il est injecté dans le jQuery-once.js. Puis il vient infecter les navigateurs des gens qui viennent sur le site. Donc, je m'en viens chercher encore plus de ressources. Parce que toi, Alain, tu viens sur mon site, boum, j'ai utilisé ton navigateur et ton ordinateur en même temps. Fait que je t'infecte. Puis ça, il en reste beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la nature en ce moment. J'ai pris un petit screenshot d'un cas. Il vient rajouter finalement de l'élément dans le jQuery. Pour faire sa fonction, puis là, c'est évidemment illisible, mais... C'est quoi qu'ils peuvent faire dans jQuery, genre? Ils mettent des cookies sur les ils peuvent mettre des cookies, ils peuvent mettre un malware dans ton navigateur pour se servir de ça. Mm-hmm. Ils peuvent... Là, j'y vais avec précaution, parce que je ne l'ai pas vu. Mm-hmm. Mais ils pourraient potentiellement utiliser le Spectre ou Meltdown, qui sont les nouvelles failles de sécurité sur les processeurs. Comment ça s'appelle? Spectre Meltdown. Deux failles de sécurité qui sont sur tous les processeurs construits depuis 1998. Et les prochaines, parce qu'évidemment, ils ne les jetteront pas ceux qui ont déjà fabriqué. Fait que les prochains ordi aussi risquent d'être infectés. Des petits trucs. On parle beaucoup de récupérer une base de données avant 2018. Théoriquement, c'est une belle idée, mais quand on a un site avec beaucoup de transactions, j'ai pas vu la possibilité de le faire. Quand tu as un site que tu as des achats dans la base de données tout le temps, c'est pas évident. Moi, je me disais, je vais après ça faire un script pour récupérer mes transactions qui ont été faites après. Mais ça dépend du site. Les transactions sont importantes ou moins importantes. C'est ça. Reconstruire. C'est aussi une option qui est donnée sur Drupal.org. Ah, ouais, c'est vrai. Si vous voulez, mais c'est parce que vous avez toujours un site qui est en ligne. Fait que là, qu'est-ce que vous faites pendant la reconstruction? Ça prend pas 10 minutes. Le C, c'est nettoyer. Moi, c'est ce que je fais en ce moment beaucoup avec des sites. Ça se fait. Même si on dit, ben, considérez-le comme contaminé, hacké, etc. Oui, mais ça se fait une décontamination. Des petits points à penser, nettoyer le code, utiliser un nouveau serveur, réinitialiser les mots de passe, faire les mises à jour, évidemment, si vous nettoyez puis vous laissez la brèche ouverte. Informer vos utilisateurs, il y a une nouvelle loi européenne qui commence, GDPR, pour commencer à penser à si je suis hacké, puis que j'ai des utilisateurs en Europe, il faut que je les informe. C'est 72 heures. GDPR. Surveillez votre site. Une fois après une décontamination, continuez à y retourner quand même dans le code pour être sûr qu'il n'y a pas un petit détail qui serait resté. Y a-t-il qui travaille avec Composer? Composer? Pas encore. On va vous apprendre un petit peu Composer. Je vais vous faire une petite démo sur comment mettre à jour. Avec Composer. C'est super sympathique. Là, j'aimerais bien ça avoir le même écran des deux côtés en ce moment, par exemple, parce que je vais me tordre le cou. Je vais essayer comme ça. Donc, là, je me suis pris un environnement de développement sur CloudMine que j'ai préinstallé là, avec un petit, un petit, euh,
un petit rien en fait en ce moment. Donc il y a juste un Hello World qui est là. Tu veux que tu me mettes plus grand, s'il te plaît? Ouais. Comme ça. Donc si je reviens. Donc, ce que je vais faire, je vais juste faire quelques petites fonctions. Je vais m'installer un Drupal. Un Drupal 8. Bon, je vais installer Drush. Parce qu'on aime Drush. Oups, j'ai pas le bon. Je m'installe Drush. Je vais installer, après ça, je vais installer un 8.3.9, donc une vieille version de Drupal. Là, il m'installe Drush avec toutes ses permissions. Composer, c'est... faites du développement. Composer, il va falloir que vous arriviez avec ça. Il faut commencer à... En Drupal 8, ça va tout passer avec Composer. C'est un module que tu n'as pas le choix d'utiliser pour installer les... Oui, mais maintenant, là, de plus en plus... Puis pour faire les mises à jour, moi j'ai du monde de Drupal 7, Drupal 6, Drupal 5. Fait, pour faire les mises à jour, là j'étais rendu pas mal à Drush up quelque chose, puis ça se fait plus comme ça. On peut plus faire Drush up core, parce que ça vient briser tout ton site, ça efface tout, puis ça met comme un nouveau répertoire. Tu peux même faire Drush download. Donc là, j'ai installé Drush quand même, parce qu'on veut l'utiliser, ça demeure un outil très joyeux. Ce que je fais donc avec Composer, j'installe un Drupal. J'ai essayé de le mettre dans le répertoire courant, mais il n'est pas vide parce qu'il est dans Cloud 9, donc on va juste enlever ça. En faisant cette petite ligne de code-là, il va aller me chercher finalement tous le répertoire vendors avec toutes les librairies dont je vais avoir besoin, Symfony, Beat, Minsk, etc., etc. Puis il vient toutes les mettre dans mon répertoire vendor. Juste, je fais juste un petit point, si vous utilisez Git, est-ce que vous utilisez Git dans le travail? Si vous ne l'utilisez pas encore, autant il faut passer à Composer qu'il faut passer à Git. Même si on est seul à travailler sur notre projet, il faut passer à Git. On n'a plus le choix. C'est trop pratique, puis sinon on risque trop de briser des choses. C'est tellement bien fait. Si vous allez dans la littérature de Composer, ils disent de ne pas guider le répertoire vendors. Personnellement, je le guide. Et je préfère beaucoup le guider parce que, en fait, la logique, c'est de dire, ben, si on ne le guide pas, c'est surtout pour des projets qu'on va partager sur GitHub, que ça ne sert à rien de guider ton répertoire vendors parce que les gens qui vont l'utiliser, ils vont aller le chercher. Ouais. Dans mon cas, je préfère le guider parce que, entre autres, avec Drupal Commerce, l'adresse, il a fallu que je le modifie. Il y avait un bug avec le postal code, puis ça ne marchait pas, il a fallu que je modifie. Donc, juste pour un exemple comme ça, puis je m'assure aussi que sur mes environnements de développement et de production, ben c'est le même vendor finalement que je teste que celui que j'ai en prod. Donc là, j'ai installé un... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai téléchargé un Drupal. Je m'en vais dans Drupal. Apache est supposé starter. Je vais juste créer une petite ligne de code de même. Ma base de données. Mon site web. Un admin. C'est un vieux Drupal, fait qu'il y a des petits warnings.
qui apparaissent. Mais là, avec Composer, je peux Drush, avec Drush, c'est-à-dire Drush Site Install, standard, je m'en vais chercher ma standard minimum, minimal, le profil que je veux installer. Ma base de données que je crée, puis je crée mon compte admin que j'ai mis très sécuritaire dans le cas présent. Puis là, j'ai un... Un Drupal d'installer en trois lignes de commande. Et je me connecte dessus. Si je m'en vais dans Extend, on peut voir là, que je suis en version 8.3.9. Ceux qui ont travaillé beaucoup avec maximum que je parle. Ceux qui ont travaillé beaucoup avec Drupal 7, Drupal 6, des fois c'est un peu l'enfer de mettre à jour des versions. Quand tu passes de 7.42 à 7.43, ça peut foutre le bordel. Il y a 3 semaines, le site de Keyword était pas à jour, j'étais en version 8.0, bêta 12, je pense. Puis je me suis dit, bon, on fait une présentation de Drupalcamp, il faudrait peut-être se mettre à jour. J'ai même pas mis la patch de sécurité de Drupalgeddon. Fait qu'on est passé de 8.0 bêta 12 à 8.5.4 en 10 minutes. Là. Il y a des choses dans le thème qui ont brisé parce qu'on utilisait un thème qui était dans les bêtas, mais c'est normal. On a commencé le site il y a 2 ans et demi en Drupal 8, puis à l'époque, mais c'était pas possible de faire les mises à jour. Mais tout ça pour vous dire, à date, là, je fais des mises à jour, puis ça rentre tout correctement. Je reviens donc. Là, j'essaie de retrouver mes choses. Donc, pour mettre les mises à jour, ce que je vais faire dans le cas présent, je vais réduire ça ici. Je vais aller dans le répertoire de Drupal. Là, on a un Composer Lock que je vais supprimer. J'ai un répertoire Vendor que je vais supprimer. Parce que je ne veux pas qu'il garde mes anciennes versions de mes librairies externes. Puis je vais aller éditer mon Composer.json. Puis là, on voit plein de petites bébelles, mais on voit surtout le require ici, qui est un peu ce qui doit être installé. Puis, par défaut, il me l'a mis dans replace ici. Je ne sais pas pourquoi il fait ça, mais j'ai arrêté de me poser des questions, puis je me suis dit, je vais le faire fonctionner. Fait que tout ce que je fais, c'est que je mets une nouvelle version dans mon composer, petite virgule ici. Je lui mets une nouvelle version de... Je lui mets une nouvelle version de Drupal Core. Je lui dis Drupal Core 8.5.1 avec la petite vague en avant, c'est-à-dire qu'il va aller me chercher de 8.5 à 8.6. À 8.6, plus bas que 8.6. Si j'avais marqué 8.5 de même, il irait me chercher jusqu'à 8.9, en bas de 9. Symfony YAML, je lui mets 3.4, parce qu'avant la version 8.3, on était à Symfony YAML 3.2. Fait que je lui dis d'upgrader ça, puis je mets un petit Drush 9, parce que le 8 ne fonctionne pas avec les dernières versions de Drupal 8. Là, tout ce que j'ai à faire, c'est effectivement un Composer Update. Dans la littérature, je vois beaucoup Composer Update with Dependencies.
ou le fait de dire on fait juste Composer Update Drupal Core si on veut juste mettre à jour notre core puis pas tout le reste. Là, dans le cas présent, je fais un update. Je vais le laisser tourner parce que en ce moment, il va tout downloader. Il va tout chercher, fait que ça peut être là. Je vais attendre 15 secondes. Là, mais... Puis il va comparer les versions qu'il y a, c'est ça. Qu'il y a besoin aussi pour ça. Il travaille. Des fois, il y a des conflits. Là, Ben là, en théorie, il n'est pas supposé avoir de conflits. Oui, c'est ça. Mais à date, il n'y a pas de présentation, il n'y a pas de conflit depuis le début du Drupal Camp. Je vais juste revenir à la présentation un petit peu en attendant. Ah, ben, je n'aurai pas le temps. Il fait tout mon téléchargement. Docteur va chercher mon Drupal 8.5.4. Si vous avez été infecté, ou vous pensez l'avoir été, vous pourriez aussi effacer le core ici. Puis il va aller se remplir à nouveau, mais au moins vous ne laisserez pas des traces qui vont être cachées dans le site web. Il y a même moyen dans Composer de mettre des fichiers patch. Ça peut être des patchs officiels sur le site de Drupal ou que tu as fait toi-même. Mm-hmm. Si tu fais des patchs. Moi, j'ai eu à le faire. Il faut rajouter un module Composer pour gérer les patchs. Pour gérer les patchs. Puis on les met dans le JSON. C'est la même. On les... Oui, c'est ça, dans le JSON. Ouais, c'est ça. C'est la même syntaxe. Il y a beaucoup de choses comme on peut gérer où vont aller les. Je ne sais pas si on voit dans ce ouais, tu veux dire dans quel répertoire? Dans quel répertoire tu mets tes modules? Ouais. Ben, c'est dans un module comme tel. Puis là, je termine avec un drush updb. Oui. Puis là, il me dit, bon, ben, de 8.3 à 8.5.4, là, il y a eu tout ça de mise à jour. Je lui dis, yes. Il me fait toutes mes mises à jour. Là, je m'en viens ici, je recharge cette petite page-là. Là, on est en 8.5.4. C'est pas plus long que ça, c'est pas plus compliqué que ça de dire ben, je viens de mettre à jour sécuritairement cet environnement-là. Ça m'a pris 6 clics à peu près. C'est sûr que c'est une version où il n'y a aucun module d'installé. Mais je ne vois plus la même logique que dans les anciennes versions de Drupal. C'est-à-dire que les modules sont beaucoup mieux faits. Il y a beaucoup moins de problèmes à ce niveau-là là, pour ça. Fait que j'ai bon espoir que ce soit toujours facile de même. Puis, Drupal 9 va fonctionner de la même façon. Fait qu'on va pouvoir passer Drupal 8 à Drupal 9 directement. Fait que si vous n'êtes pas passé, on en parlait tantôt, si vous n'êtes pas passé encore à Drupal 8, puis vous êtes à Drupal 7, vous allez voir une grosse différence en disant, est-ce que j'hésite, est-ce que j'attends Drupal 9 pour faire le saut, ça vaut pas la peine, parce que de toute façon, en embarquant dans Drupal 8, vous embarquez dans Drupal 9. Ça, c'est un petit résumé de ce que je viens de faire, fait que je vais pas Drupal CRM, ça fait quoi? Ah oui, Drupal CRM, c'est... Drush CRM, c'est ça? Configuration Management. C'est ça. C'est que quand je suis. Ben, là, en fait, dans mon environnement, je ne l'ai pas guidé. Mais c'est quand je travaille dans un environnement Git, je fais mes modifications, je crée une vue, mettons. Donc, je vais créer ma vue, je vais dire je veux le champ X, le type de contenu Y, publié oui, d'autres. Je la mets dans un bloc, je l'affiche en page d'accueil. Je fais Drush CEX, ça va exporter cette configuration-là. Fait. Maintenant, Drupal 8, les configurations sont distinctes des données dans la base de données. C'est majeur en termes de développement parce qu'en Drupal 7, 6 et avant, puis en WordPress et compagnie, les
données sont beaucoup imbriquées. En WordPress, c'est encore pire parce que la racine du site est dans la base de données. Fait que ça, c'est terrible, mais en Drupal 8, maintenant, on a toutes les configurations qui sont exportées de même. Fait qu'après ça, moi, je les envoie de même, je git mes nouvelles configurations. Mon collègue fait drush config import, CIM. Hop, sur son écran, il vient de voir toutes les modifications que j'ai faites. Ma vue est là dans son environnement. Ça te permet de merger aussi. S'il y en a deux qui ont travaillé sur la même vue, dans deux branches différentes, quand tu fais le merge, ben, si tu merges un fichier, tu es capable de comprendre ce qui se passe et de faire des choix. Exactement. C'est trippant, ça. Moi, j'ai capoté quand j'ai fait ça. C'est, je pense que Drupal 8, pour moi, ça a été le point majeur. Parce que c'était très difficile de développer en collaboratif. On a quelque chose en Drupal 7 qui est différent, mais il fait la même job. J'en ai fait. C'est compliqué. Donc, c'est je reviens ici. Lire. Donc, oups. Je reviens là. Excusez-moi. Je vous explique. Je vous ai juste mis une slide là, pour vous dire ce que je vous disais tantôt. Les petites vagues, comment ça se dit en français autrement que petites vagues versus les chapeaux. Ça a une logique dans Composer, c'est-à-dire que si je mets 1.3, ben, je vais avoir de 1.30 à 1. Plus petit que 1.4. Si je mets une petite vague 1.3.2, ben, je ne me rendrai pas à 1.4, je vais rester dans le 1.3. Mais si je mets une petite vague 1.3, ben, je vais me rendre à 1.6. Donc, y pensez quand vous faites vos Composer. La doc se trouve sur le web, donc parce que vous prenez ça en note là. Des petites checklists de sécurité que je vous mets en rafale. En Drupal 8, je commence par la fin, mais configurer le Trusted Host, qui est un élément de base dans les settings. Mettre un firewall que je mets là. Let's Encrypt, c'est gratuit. Mettez du SSL sur tous vos sites. Vous allez sur Let's Encrypt. Fait comme ça, ben, si vous connectez ici sur un Wi-Fi, votre mot de passe n'est pas offert à tout le monde. Bannir les IP, ça vient avec vérifier les logs. Sur les sites que je gère, je vois, je vous dirais à peu près à tous les 15 secondes, des attaques qui sont faites. Ben, en fait, bannir les IP, c'est que ça me permet de dire, ben, toi, si tu viens sur mon site Drupal, tu t'en vas sur l'adresse WP login, t'as pas d'affaire là. Fait que ton IP, je veux plus l'avoir sur mon site. Donc, c'est une façon de réduire les attaques. Ouais, mais puis c'est des honeypots. Hein? Des honeypots, c'est un peu dans ce style-là. Ouais, mais c'est non-stop. Mais lui, c'est parce que. Cette adresse IP-là va venir voir WP login, elle vient de passer dans mon filtre, je la bannis, il va s'arrêter là, plutôt que de continuer à aller voir toutes mes failles potentielles. Ouais. Fait qu'il va changer d'IP puis venir inspecter, mais au moins, je viens de le barrer. C'est automatique. Mais la deuxième, moi je viens de lui mettre une entrave. Sécurité absolue, elle n'existe pas de toute façon, mais l'idée c'est de mettre des entraves. Ben, Honeypot, c'est que c'est une même logique, en fait. Honeypot, c'est pour... il est surtout utilisé, le module Honeypot, en tout cas, il est surtout utilisé pour les formulaires. Mais il y a un module ban IP. C'est un principe. C'est ça. C'est ça. Mais le module Honeypot, mais l'idée, c'est de dire, on met un pot de miel, puis si tu touches à mon pot de miel, c'est que t'es quelqu'un que je veux pas avoir dans mon entourage. Ok, fait que t'as un module qui banne les IP. Oui, il y en a un sur Drupal qui fait ça. Ban IP. Oui, c'est ban IP. Ok, parce que je bannais les IP en même temps. Non, ça vaut pas la peine. C'est vraiment juste de dire je mets des règles. Si tu arrives sur telle adresse, si tu fais tel comportement,
Je peux te bannir à vie ou un peu comme sur un serveur, il y a ce qu'on appelle fail to ban, qui dit ben, ah, ben, si tu essaies 3 fois de te connecter sur mon serveur, ben, t'es banni pour 6 minutes. Mais tu peux pas établir des règles, c'est vraiment juste si tu arrives à cette interface-là. Ah, mais en programmation, tu peux établir toutes les règles que tu veux. Puis, je pourrais mettre une série, banniper en fait déjà une série, mais on pourrait mettre un truc sur le serveur à la limite. Moi, je le verrais beaucoup mieux sur le serveur en plus que sur le Drupal, mais ça c'est. Copie de sauvegarde, bon, ça c'est la base. Vérifiez les modules que vous installez, c'est pas n'importe quoi. Il y a beaucoup de modules que c'est marqué, ce module n'est pas vérifié par le Security Advisory de Drupal. Ça vaut la peine des fois, puis allez voir les issues des modules. S'inscrire à la liste de diffusion de Drupal. Si vous n'êtes pas inscrit, c'est peut-être la première chose à faire. Ça envoie un email pour dire en midi, 14h, il va y avoir une patch de sécurité majeure qui va être mise à votre disposition. Faites-la. Je donne quelques petits outils. Des modules, je ne les garantis pas parce qu'ils sont surtout Drupal 7, Drupal 8 ne sont pas prêts, mais Act, c'est un module qui va aller vérifier le MD5 SOM de tes modules pour dire ben, ah, ben, ça équivaut à la version réelle. Donc, ça peut être intéressant. CytoAudit, je pense qu'il fait sensiblement la même chose. Security Review, c'est un genre de checklist de choses à faire. GREP, ligne de commande. GREP, vérifier GREP B64 decode dans mon site. Donc, ça me permet de trouver, entre autres, quand tu as parlé des points ICO tantôt, je pourrais trouver GREP PHP dans les points ICO. Fait que trouve-moi tous les points, toutes les images, JPEG. Security, je pense que c'est ça qu'ils font. Ils font plein de greffes de toutes sortes de patterns. C'est ça. C'est un des meilleurs outils. Ils connaissent, ils savent quoi chercher. C'est ça. C'est très simple, mais c'est super efficace. J'ai mis Backup Bird. C'est pas quelque chose que j'ai utilisé, mais c'est une logique que je trouve intéressante. Pour faire des backups automatisés de vos sites, les envoyer sur un Amazon, sur un Windows Azure, etc. Il y a une interface qui gère ça. Patchman, je ne l'ai pas utilisé non plus, mais c'est un outil. Ben, je l'ai vu dans cPanel maintenant, qui fait des patchs automatiques. Sauf que le cPanel que je l'ai vu, le Drupal était infecté. Fait que je ne sais pas à quel point Patchman est efficace. SSL Labs pour vérifier le votre sécurité SSL. Les autres, c'est des modules, là, des choses que vous pouvez utiliser sur votre serveur, comme mode sécurité dans Apache, détecteur de malware pour Linux, minor block de Chrome. On disait, vous êtes des Drupalistes. Vous êtes allé sur beaucoup de sites Drupal dans les dernières semaines. Probablement qu'il y était infecté et qu'il vous envoyait un malware. Ça peut valoir la peine d'avoir un bloqueur de malware sur votre Chrome ou Firefox. Je ne veux pas vous faire peur, mais je vous dis de faire attention. Il y en a beaucoup qui continuent dans la nature. Google Chrome me met à jour là. La version 66, je pense, elle a un problème de sécurité en ce moment. Ils n'ont même pas dit c'était quoi. Ils ont dit on va l'annoncer, la raison, une fois qu'assez de gens vont avoir mis à jour leur Chrome. Okay. Pour ne pas divulguer finalement la nature de l'affaire. J'en sors plein, mais CryptoLoop, CoinHive, ça c'est très. VPN Filter, vous avez tous des routers à la maison? Le FBI a attrapé finalement un groupe qui avait mis des malwares sur 500 000 et plus routers à travers le monde. Ils ont dit « rebootez votre router ». Des études démontrent que c'est passé.
il faut installer un nouveau, réinstaller à partir de la, au niveau de la profil d'usine, tout votre router, puis le reconfigurer. Oh. Ouais. Puis à peu près tous les routers sont infectés. Ben, peut-être dans la liste, j'ai pas. Moi, j'ai vu du TP-Link, j'ai vu. Le seul que j'ai pas vu que j'ai, c'est un Belkin. Mais j'ai vu du TP-Link, du Linksys, du Cisco, etc. etc. Spec Meltdown, j'en parlais tantôt, c'est toutes les machines qui sont infectées par ça. De plus en plus, il y a des. Microsoft a mis des patchs pour protéger les ordinateurs pour ça, mais si j'ai un serveur Microsoft 2012, je fais pas de mise à jour de sécurité, je pourrais l'attaquer avec ça. Je sais que moi, chez Linode, chez OVH, ils ont fait des mises à jour de sécurité en début d'année, là, assez majeures pour ça, mais vérifiez chez votre hébergeur si ça a été fait. Je vous mets des noms, je ne les connais même pas tous. WannaCry, c'est du ransomware. OpenSSL padding, c'est dans votre SSL, c'est possible de le hacker parce qu'il y a un truc de padding qui peut être mis genre dans le bout, fait que c'est de mettre la dernière version à jour. Bramble, Joanna, c'est sorti la semaine passée, j'ai pas eu le temps de voir c'était quoi, mais ça sort tout le temps. Fait que je vous invite à rester prudent avec ça. Et ça fait le tour de ma présentation. Je ne sais pas si je suis encore dans les temps. Je pense que oui. D'accord. Est-ce que vous avez des questions, des craintes à partager? Est-ce que vous voulez vous étendre sur un sofa et dire « Ah, mon Dieu, qu'on est dans la merde! » En termes de sécurité, c'est à peu près ça. Une question, c'est parler de Trusted Host, parler de trop, est-ce que tu as besoin? J'ai pas poussé là-dessus, en fait. C'est comme, faites-le. Je le fais tout le temps maintenant. Moi, ce que je fais, par exemple, je le mets dans un... Quand je développe, je le mets dans un settings.local.php ouais. Sur mon environnement de production. Fait comme ça, ça ne vient pas impacter mes environnements de développement qui, eux autres, n'ont pas besoin de cette configuration-là. C'est un peu pour dire, ben, crossed host, c'est-à-dire que http.keyword.com, c'est mes requêtes doivent venir de là, finalement. Okay. Ou de localhost. Ouais, ben, je le sais un peu c'est quoi, mais j'ai pas poussé dans le détail de qu'est-ce qui peut arriver si on le fait pas. Okay. C'est ça que je veux dire. J'ai vu comme fait là, donc il va le faire. Et... Je vais éteindre ça ici. Je n'ai plus